Place à la télé de la semaine. Le zapping de la semaine. Et on va commencer, Jade, avec la demi-finale d'Incroyable Talent. C'était mardi soir sur M6. Vous connaissez cette émission, Catherine Lara, Incroyable Talent ? C'est un concours destiné aux jeunes talents de l'humour, de la magie, de la danse ou encore de la musique. Non, je n'ai pas du tout les concours. Je déteste tout ce qui est concours. Ah, vous allez être bien servie. On va vous expliquer. Alors, on le sait, Catherine, votre instrument fétiche, c'est le violon. Hein. Oui. Eh bien, le jeune homme que vous allez entendre maintenant, lui, c'est l'accordéon. D'accord. Un instrument parfois qualifié d'un peu ringard. C'est vrai, les sonorités ça peut un peu d'antan. À tort, vraiment à tort. Ah, bah, la preuve. Mais lui, justement, il a démontré le contraire. Il a repris des chansons qu'on joue généralement assez peu à l'accordéon. C'est la tcha ou quoi ? Mais la tcha. Là, ça va s'énerver. Bien connu. À ses essais, quoi, à l'accordéon. C'est pas mal, hein ? Il donne un coup de jeune à l'accordéon. Moi, je trouve que c'est un instrument absolument extraordinaire, l'accordéon. Et on peut faire plein de choses, la preuve, hein. Alors évidemment, pour la plupart, Incroyable Talent, c'est leur premier passage télé. Est-ce que vous, Catherine Lara, vous vous souvenez de votre tout premier passage télé ? Oui.